Chers téléspectateurs et téléspectatrices de la RMB TV, bonjour. Merci de nous recevoir encore ce matin, donc chez vous, dans le cadre de votre sixième émission, de votre sixième numéro de votre émission Saine Éducation. Une émission que j'aurai l'immense honneur de partager avec M. Bodian. M. Bodian, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est M. Ngom Dimash. Ça va. Oui. Autant pour moi, M. Ngom, au lieu oui. de M. Bodian. Oui. Ok, M. Ngom. L'émission de ce soir, donc, va démarrer avec une inquiétude des parents. Oui. Okay, parents que je suis aussi. Mm-hmm. En tant qu'ancien de l'école sénégalaise, on avait l'habitude donc d'opérer dans un format de 4 opérations plus un problème. Une donne qui a complètement changé, fait du mal aux parents pour pouvoir encadrer leurs enfants. Qu'en est-il exactement donc, du programme actuel? Oui. Bon, aujourd'hui, permettez-moi d'abord de saluer mes compatriotes et les différents établissements que j'ai à passer et que j'ai eu à servir, notamment à l'EFOAS de Fassali Moussal, dont je salue. Allô. Oui. Un, deux, allô? Allô, un, deux. Allô, un, deux. Allô, un, deux. Allô, un, deux. Oui, allô? 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 Chers téléspectateurs et téléspectatrices de la RMB TV, bonjour. Merci de nous recevoir encore ce matin chez vous pour votre émission Saine Éducation qui a son numéro 6. Une émission que j'aurai l'immense plaisir de partager avec M. Ngom. M. Ngom, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup. Voilà. Pour ce matin, M. Ngom, on démarrera cette émission par une préoccupation des parents d'élèves. Oui. Pour deux camps, dans leur système, ok, ils avaient l'habitude des 4 opérations suivies d'un problème. Mais ils se rendent compte que pour leurs enfants d'aujourd'hui, ils ont du mal à revoir ces 4 opérations plus le problème. Qu'en est-il exactement du programme présentement pour le niveau de l'élémentaire? Merci beaucoup, merci de m'avoir donné la parole. Et de passage, je salue l'ensemble de mes compatriotes qui me suivent sur la RMB TV. Je viens juste de répondre à votre question. Donc, vis-à-vis du programme que les parents d'élèves se soucient par rapport à leurs enfants, par rapport au programme, surtout du côté mathématique, il y a ce qu'on appelle le curriculum. Le curriculum, c'est un document qui nous vient de l'inspection académique de chaque établissement, de chaque zone. Donc l'inspection aussi est basée sur les fonctions du ministère de l'Éducation. Eux, ils ont eu à changer le programme en ces dernières années. Donc vu que le curriculum nous a donné ce qu'on appelle résolution de problèmes mathématiques. Ah, nous revenons. Allô, 1, 2, allô. 1, 2, allô. 1, 2. Légui boko defone différé doudam. Du site direct bi. Monoko won def différé. Sous-titrage Société Radio-Canada.
Allô, 1, 2. Allô, 1, 2. Allô, 1, 2. Chers téléspectateurs et téléspectatrices de la RMB TV, bonjour. Merci de nous recevoir encore chez vous dans le cadre de votre émission Saine Éducation, qui en est à son numéro 6. Une émission que j'aurai l'immense plaisir de partager ce matin avec donc mon collègue Monsieur Ngom. Monsieur Ngom, bonjour. Bonjour, monsieur. Ok, donc, comme pour démarrer cette émission, je vais prendre une préoccupation donc des parents d'élèves. Oui. Pour qui ils ont du mal présentement à comprendre le programme actuel parce qu'eux, ils ont eu à travailler avec les coopérations. Problème. Qu'est-ce qu'il en est actuellement donc, du programme au niveau de l'élémentaire, M. Ngom? Bon, au niveau de l'élémentaire, bon, je vais essayer de vous répondre d'abord directement. Aussi, au niveau de l'élémentaire, on a changé le programme. D'abord, le curriculum de base a changé. Mm-hmm. Les manuels que l'enseignant ou bien l'élève apprenait ont changé. Déjà, la moitié du programme a changé. Raison pour laquelle le curriculum de base a changé. Donc, c'est l'inspection qui fournit ses propres documents pour leur donner au directeur des écoles, afin que ces directeurs-là puissent donner ça aux enseignants, ça le programme que les enseignants vont suivre pour enseigner les élèves. Donc, forcément, il y a certaines choses qui vont changer et que les parents d'élèves ne vont pas comprendre vis-à-vis de leurs élèves. Donc, s'ils ne font pas ce qu'on appelle l'enquête, s'ils ne vont pas passer l'établissement pour voir qu'est-ce qui se passe, ils n'auront jamais à comprendre que le programme a changé, les manuels ont changé, même les titres des leçons, certains ont changé. Voilà le problème d'aujourd'hui. Ok, donc présentement, pour une question très précise, qu'en est-il présentement des mathématiques au niveau donc de l'élémentaire? Au niveau de l'élémentaire, les mathématiques ont changé. Tout. Parce que, bon, on dit mathématiques. D'habitude, mathématiques, c'était la note était sur 60, où nous étions élèves. Et aujourd'hui, on a vu que mathématiques, c'est sur 100. Pourquoi 100? Parce que les données ont changé. Il y a ce qu'on appelle numérique, géométrique et mesure. Aujourd'hui, ça a changé. Ça a relayé ce qu'on appelle le domaine ressources. Les ressources que l'élève va fournir, c'est de voir ce qu'il va faire. Il va se ressourcer par rapport à ce que l'enseignant lui a donné. Mais n'empêche qu'il y a ce qu'on appelle la compétence. La compétence, c'est quoi? C'est ce que
l'enseignant donne à l'élève, mais aussi l'élève doit fournir des efforts pour avoir d'autres compétences et venir le présenter. Donc, supposons, les mathématiques ont dit il y a deux compositions, la composition ressources et la composition compétences. Okay. Voilà. Ok, donc si on se cale sur ces deux, oui. Vous parlez de ressources et de compétences. Pour ce matin, vous allez axer votre intervention sur quoi? Est-ce sur les ressources ou sur les compétences? Bon, nous allons axer notre explication et notre compréhension sur quoi? Sur les ressources. Ressources, non, sur les compétences du moins, d'abord. Mais on met l'accent sur les ressources pour montrer à l'élève que forcément, quoi qu'il en soit, en mathématiques, il faudra avoir la totalité des points. Pourquoi? Parce que les ressources sont très importantes. Pourquoi sont très importantes? Il y a ce qu'on appelle l'activité numérique, les quatre opérations que vous venez de dire. Il y a quatre opérations, addition, soustraction, multiplication et division. Ça, c'est la partie numérique. Il y a ce qu'on appelle la partie de mesure, les unités de capacité, les unités de mesure agréées, etc., etc. On suit le programme, la logique, mais ce qu'on appelle la géométrie dans l'espace, calcul, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les ressources. Mais aujourd'hui, je vais me focaliser sur ce qu'on appelle sur les compétences, la résolution du problème, qui tient à amener des erreurs au niveau de la résolution. Oui. Ok. Effectivement, même sur ce que vous venez de terminer, les problèmes, oui. C'est ces problèmes même qui posent souvent problème. Mm-hmm. On commence à entendre des expressions que nous, les parents, avons du mal à bien maîtriser. Oui. Des données, je ne sais plus, des données utiles, des données inutiles, je ne sais plus. Qu'en est-il exactement de l'expression donnée dans la résolution des problèmes? Oui. Dans la résolution du problème, ce qu'on appelle données, c'est quoi? Donc, dans une phrase, il y a ce qu'on appelle sujet, verbe, complément. Là, c'est le niveau littéraire. Mais en mathématiques, on utilise ce qu'on appelle les données. Les données, c'est quoi? C'est l'ensemble des chiffres qu'on voit dans un énoncé qui nous permettent de formuler une bonne résolution. Exemple, si on me dit, si il dit à 14, 14 est une donnée. Quel genre de données? Numérique ou non numérique? 14 est un chiffre, donc c'est un nombre écrit en chiffre, donc c'est une donnée numérique. Tantôt, il y a ce qu'on appelle les données non numériques. Donc, on explique d'abord ce qui est données numériques et données non numériques pour permettre à nos élèves qui nous suivent actuellement de comprendre dans un énoncé, dans un problème, ce qu'on appelle données numériques et de quoi s'agit-il d'une donnée non numérique. Parce que toutes les données se valent dans la résolution du problème. Des fois, les données numériques interviennent. Il faut aussi les données non numériques interviennent. Pourquoi? Pour faire une bonne résolution d'opération. Ok. Donc, si je retiens bien, autant pour la résolution d'un problème, on a besoin des données numériques que des données non numériques. Ok. Au-delà de ces deux types de données, quelles sont les autres données que nous avons? Au-delà de ces deux types de données numériques et données non numériques, il y a ce qu'on appelle les données utiles. Il y a aussi les données inutiles et les données manquantes. Okay. Qu'est-ce qu'une donnée utile? Qu'est-ce qu'une donnée inutile? Qu'est-ce qu'une donnée manquante? Une donnée utile, c'est quoi? C'est une donnée qui nous permet, qui vient forcément à la résolution de problème. Qui est très utile, très, très intéressant pour faire une résolution de problème. Et une donnée inutile, c'est quoi? C'est une donnée qui apparaît au niveau de l'énoncé, au niveau du problème, mais dans la résolution, ça n'intervient pas. C'est une donnée inutile. Une donnée manquante, c'est quoi? C'est une donnée qui est absente au niveau de l'exercice, au niveau de l'élève, mais c'est à l'élève aussi de penser et de le chercher. De le chercher où? À travers les phrases qu'on lui va donner, à travers l'exercice qu'il va lire, qu'il va savoir, ah, cette donnée-là manque, je vais penser pour le chercher. Okay. Ça compte. C'est la raison pour laquelle on dit donner manquant. Ok. Oui. Ok. Et donc, toujours en tant qu'un parent d'élève qui pose la question, par rapport à la résolution des problèmes, souvent on a l'impression qu'il y a de ces étapes qui ne figurent pas au niveau des consignes et que l'élève doit, je sais par quel truchement, doit pouvoir régler pour pouvoir continuer le problème. Qu'en est-il de ces exercices? Voilà, là, donc c'est au l'enseignant d'apprendre l'élève comment on organise une énoncé, comment on organise une énoncé. Suivant les questions, en bas on met consigne, classer les données, ou bien reformuler l'énoncé à partir des données. Là, c'est à l'élève de savoir est-ce que on m'a dit les données numériques ou bien les données numériques, ou bien est-ce que je vais classer les données utiles, les données inutiles ou bien les données manquantes. De toute façon, la consigne viendra toujours en bas de l'énoncé. Il y aura deux consignes. La première consigne, quoi? Classer les données numériques ou bien les données non numériques. C'est à l'élève de voir qu'est-ce qu'une donnée numérique, qu'est-ce qu'une donnée non numérique. Ou bien les données utiles, inutiles, manquantes. Il met le tableau. Après, il y a une autre consigne, faites la résolution de l'énoncé. Donc,
Là, je dis bien, c'est une organisation. Okay. On lit les difficultés, ça y est là. On organise, on arrange pour faire sortir une solution parfaite. Ok, et donc pour progresser et un peu quitter la théorie, est-ce qu'on peut faire donc un exemple, une démonstration concrètement avec un problème? D'accord. Si vous me le permettez, on va essayer de donner un exemple. Okay. Bon, comme enseignant, comme on est en classe, on prépare un fiche, on vient devant les élèves, on les explique le cours. Ça, c'est un support de cours. Pourquoi? Parce que dans l'enseignement élémentaire, il est formellement interdit de présenter un cours sans support. Raison pour laquelle on dit, comme on est en classe, face à des élèves, face à un écran, on amène nos supports de cours pour montrer que aux élèves qui nous suivent que le cours est bien préparé, mais aussi pour faire abaisser un peu le tension par rapport aux téléspectateurs, aux parents d'élèves qui nous suivent, que voilà des enseignants qui sont là, expérimentés, chacun à son niveau, et qui sont prêts à donner n'importe quel moment le savoir-faire et le savoir-parler de la connaissance. Et en se basant sur les termes bien fondés de l'éducation. Donc, si vous me le permettez, je vais essayer de démontrer ce que vous avez demandé, toujours. Donc, là, on va essayer d'expliquer d'abord qu'est-ce qu'un énoncé. Un énoncé, c'est rien d'autre qu'un problème. Du genre, on met énoncé. C'est quoi un énoncé? On dit un énoncé est un texte qui contient des informations des informations de chiffres, des informations appelées données du genre numérique et non numérique. Numérique. Si c'est écrit en chiffres, on dit données numériques. Exemple de données numériques. On met 2, 10, 20, etc. Si c'est écrit en nombre, là on dit forcément ces données numériques. Parce que c'est écrit en numéro. Et si c'est non numérique, si c'est écrit en chiffres, mais sous forme de données, sous forme de lettres, exemple, double, tiers, quart, etc. sont des chiffres qu'on a écrit en lettres, qui se transforme en lettres, ce qu'on appelle une donnée numérique ou bien une donnée non numérique. Okay. Voilà. Ok. Et si on poursuit donc par rapport aux données utiles, aux données inutiles et aux données manquantes. D'accord. Là, on va essayer d'expliquer. Données utiles, données inutiles et données manquantes. Ici, c'est une donnée utile. Pourquoi c'est utile? Parce que ça intervient forcément à la résolution du problème, de l'exercice. Donnée inutile qui apparaît au niveau de l'énoncé, mais qui n'apparaît pas à la résolution. Donnée manquante. Pourquoi? Parce que ça ne vient pas dans l'énoncé, mais forcément, ça apparaît à la résolution. Raison pour laquelle on dit utile, inutile, manquante. Utile, on utilise forcément si on veut faire une très bonne résolution et trouver l'exercice parce que c'est utile, on donne ces chiffres. C'est inutile, ça apparaît dans l'exercice donné, mais au niveau de la résolution, ça n'apparaît pas parce que c'est pas utile. Ok, et par rapport à la donnée inutile, je pense que notre écriture pour nous travailler, c'est une donnée inutile, vous avez dit. Oui. Ok, j'aurais peur que les élèves n'aient à lire inutile. Oui. Je ne sais pas si on se voit. Oui, inutile. Inutile, oui, inutile. Voilà. Ok. Oui, donc le inutile. I du début, parce que les enfants encore sont des enfants et ils ont plus ou moins l'esprit trop critique. Trop critique, oui. D'accord. Ok, on continue donc. Donc c'est ça ce qu'on appelle utile, inutile et manquant. Okay. D'habitude, on dit en consigne, dans un énoncé, on nous met en consigne.
classer les données. Si c'est classer les données seulement, on met entre parenthèses, on met utile et virgule et inutile et on met manquant. Il va comprendre, va tracer le tableau. Mais comme ça, et on trace le tableau. On met données. Utile, on met données. Inutile, et on met données manquantes. Okay. Et on inscrit ces données selon l'ordre établi dans l'énoncé. Après, on ferme. S'il y aura une deuxième consigne qui nous dit de faire la résolution de l'énoncé, là, on va essayer de tracer solution, résultat, opération, petit trait, solution, résultat, opération, et faire la résolution. Mais aussi en se basant sur les données qu'on a données dans l'énoncé. Forcément, ces données-là vont apparaître au niveau de la résolution du problème. Oui. Ok. Et donc, lorsque dans un problème, il y a des données manquantes et qui sont utiles à la résolution du problème, d'accord, comment l'élève devra faire? Dans ce cas, c'est à l'élève de lire l'énoncé, de relire encore, essayer de comprendre ce qu'on m'a dit. Ici, l'élève doit essayer de poser lui-même des questions. Moi, qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a dit ça. Exemple, terre à terre. Si on vous dit un carré, on va écrire une petite énoncé. Un carré à 20 mètres de quoi? 20 mètres de périmètre. On m'a demandé de calculer quoi? De calculer la surface. Il y a un donné manquant. C'est quoi? On pose la question. Dans le carré, il y a ce qu'on appelle périmètre. Il y a demi-périmètre. Il y a côté. Ça sont les grandes lignes du carré. Donc, on m'a donné quoi? 20 mètres comme périmètre. Donc, pour trouver la surface, on ne doit pas utiliser ce qu'on appelle le demi-périmètre. On doit utiliser ce qu'on appelle côté. Et que ici, le côté est un donné manquant. Forcément, c'est à l'élève de se baser sur le périmètre pour trouver le côté. Vous avez compris? Et on va essayer de mettre résolution. On met côté égal. On prend périmètre divisé par 4. On a trouvé le côté. C'est là, 5. Donc, c'est ce 5-là qui était le donné manquant dans l'exercice. Pour pouvoir calculer ce qu'on appelle la surface, forcément, on va chercher le côté. Et que le côté était un donné manquant. On l'amène. Et on fait la résolution. On continue. On met surface égale côté fois côté. Côté fois côté, oui. Côté fois côté. Ça en donne égal à 25 mètres carrés. 25 mètres carrés. Autant pour moi. Voici comment on cherche un donné manquant. Okay. Ça, le côté 5 cm n'était pas présent au niveau de l'énoncé. Mais dans la résolution, on doit penser, pousser notre compréhension à trouver ce qui manque et l'amener au niveau de la résolution. Voilà comment l'élève doit être apte et capable de chercher ce qu'on appelle un donné manquant au niveau d'un énoncé bien donné. Ok. Oui. Et en tant que parent d'élève qui a du mal jusque-là à comprendre, est-ce qu'il peut y arriver qu'on donne à l'élève donc un problème qui peut être résolu? Selon moi, non. Pourquoi non? Parce que l'énoncé, avant de donner à quelconque élève un énoncé, il faudra lui apprendre ce qu'on appelle les grands axes mathématiques, les ressources, les compétences. On se base d'abord sur quoi? Sur les compétences. En résolution de problème, on lui apprend comment on fait pour trouver un donné utile, comment on fait pour trouver un donné manquant. Aussi, ce qu'on appelle les données numériques et les données non numériques. Si l'élève est apte à distinguer ces choses-là dans un énoncé, forcément, il ou bien elle pourra résoudre le problème. Sauf que s'il y a l'énoncé et a des erreurs, là aussi c'est un autre cas. On donne un énoncé qui contient que des erreurs pour voir l'orthographe de l'élève, la grammaire, parce que toutes les matières se valent. Donc là, c'est un autre domaine de la mathématique. On vous donne très bon énoncé qui contient que des erreurs d'orthographe. Pas d'erreurs de chiffres, mais des erreurs d'orthographe. C'est à l'élève de corriger d'abord pour pouvoir résoudre l'opération. Si l'élève n'est pas apte à faire la pression,
il ne pourra pas résoudre le problème. Là, c'est un autre cas. On met une solution en corrigeant les erreurs. Ou bien aussi, on vous donne une solution bien détaillée qui contient que des erreurs. C'est à partir de cette solution que l'élève doit être en mesure de décrire une énoncé. Si la solution contient des erreurs, forcément l'énoncé aura des erreurs. Si la solution est bien écrite, forcément l'énoncé sera bien donné. Voilà. Ok. Et toujours dans la peau de certains parents, la question qui suit est la suivante. Qu'en est-il des questions intermédiaires? Certains parents ont du mal à comprendre dans un problème. Qu'en est-il des questions intermédiaires? Voilà. Là aussi, c'est une question de compétence d'abord. Parce qu'on a dit compétence. Toujours les compétences se voient. Toujours les compétences viennent. L'élève doit être en mesure de quoi? De savoir lire, écrire et parler avant d'arriver dans ces classes. Parce que ce sont des classes d'examen. Ce ne sont pas des classes intermédiaires. Non, ce sont des classes d'examen. Pour savoir ce qu'on a forgé, ce qui est dans l'élève, il doit démontrer ça dans une fraction de seconde. On me donne un énoncé du genre. On m'a donné le prix d'achat. On me demande de calculer les bénéfices. Forcément, je vais calculer le prix revient. Dans le cas échéant, il faudra dégager d'abord les questions intermédiaires pour arriver aux questions finales. Et à ce qu'on appelle question finale. Question finale, c'est quoi? C'est la dernière question. La dernière question qu'on voit au niveau de l'énoncé. Et on peut nous donner une énoncé qui a 20 lignes, 20 paragraphes, avec une seule question. Mais il y a d'autres questions qui sont dedans. C'est à l'élève de les chercher. Ces questions-là que l'élève va trouver avant de venir sur la question finale, ça qu'on appelle les questions intermédiaires. Elles sont très fondamentales au niveau de la résolution. Okay. Oui. Et pour un parent qui n'est pas maître, pour un parent qui n'est pas maître et qui ne comprend rien par rapport au curriculum présentement, comment le parent doit s'y prendre pour pouvoir expliquer à l'élève qu'avant d'en venir à la question finale, il faut passer par telle et telle autre étape? Voilà, là, bon, c'est tout juste un problème de communication. Communication, pourquoi? Parce que les parents d'élèves, ils ne viennent pas à l'école chaque jour. Ils ne lisent pas les manuels que les élèves travaillent en classe. D'abord, ça, c'est un problème que nous, enseignants, nous aurons ces problèmes-là en classe. Des fois, on peut donner un exemple à l'élève de le faire à la maison, qui a ces mêmes questions. Et à la maison, il n'a pas quelqu'un ou quelqu'un qui le suive. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas ce que le programme a changé, les données ont changé. Il faudra prendre le train en marche avec les œuvres au programme. Du genre, nous, à notre temps, on avait des œuvres qu'on appelle CD et RAM. Dans ces œuvres-là, il n'y avait pas ce genre de questions-là. On vient, on vous donne, M. Boyan, donne page 14, faites l'exercice numéro 1. Gadem. Tu vois à la maison, tu vois, il n'y aura pas de questions intermédiaires, ni de questions finales, ni de données numériques. Toutes les questions sont écrites en bas de l'énoncé. Tu lis, tu réponds, tu lis, tu réponds. Mais aujourd'hui, tout a changé. Même les manuels ont changé, même le programme a changé. Donc, j'exhorte aux parents d'élèves qu'ils prennent les livres de leurs enfants, qu'ils les lisent encore pour voir leur programme, qu'ils prennent leur cahier de son pour lire leur programme, parce que c'est très intéressant. Pourquoi? D'habitude, si on donne un exercice où le parent ne connaît pas, ou bien l'encadreur qui encadre l'élève ne connaît pas qu'est-ce qu'une question intermédiaire, qu'est-ce qu'une question finale, qui ne connaît si rien de ces données, il ne pourra pas encadrer l'élève. Donc là, c'est une autre question, c'est un autre problème que l'on rencontre, nous, enseignants, ou bien que les élèves rencontrent même à la maison. Voilà. Ok, et peut-être l'avant-dernière question ou la dernière. Quel conseil donnez-vous aux parents qui ont du mal à comprendre le système et qui auraient aimé encadrer leurs enfants? Bon, là, c'est tout juste une question de conseil par rapport à ce que nous avons eu comme programme. Du genre, le programme a changé. Les parents, début d'année, vous achetez tous les livres à vos élèves. Tout. Et on vous donne le bulletin de fourniture. Vous allez, livre, Ami et Rémi. Et autant, dans les années 2000, l'Ami et Rémi était faite pour les enseignants. Mais aujourd'hui, l'Ami et Rémi est faite pour les élèves. Dans les années 2000, le programme élémentaire, il n'y avait que CD et Raman. Mais aujourd'hui, on voit Ami et Rémi, on voit Découverte du Monde, etc., etc. Donc, les parents qui étaient en 2000 dans les classes, aujourd'hui sont devenus des parents d'élèves. Ils croient que c'est ce même programme qui continue, or que le programme est complètement changé. A complètement changé, autant pour moi. Donc, il faudra s'y mettre. Comment s'y mettre? Prendre le livre des élèves, ce que l'établissement a donné aux élèves pour essayer de maîtriser le programme, de savoir ce qu'elles leçons qu'on fait. Exemple, terre à terre, si on voit l'histoire, la géographie, l'IST, l'éducation civique, thème, civisme,
tous ces programmes ont été mis à côté. Il y a un livre qui vient introduire le programme, ce qu'on appelle « Découverte du monde ». Il y a « Vivre ensemble ». Il y a « Vivre dans un milieu ». C'est quoi? Les parents ne savent pas et pourtant ils tiennent le cahier de leçons des enfants. Les enfants récitent « Découverte du monde ». Ils ne savent pas pourquoi. Donc, le programme a complètement changé. C'est pas à l'inspecteur, c'est pas aux enseignants de venir côtoyer les parents pour leur dire que le programme a changé. Mais c'est l'enseignant qui doit, le parent qui doit courir derrière l'enseignant pour lui demander qu'est-ce qui se passe dans l'établissement. Venir au niveau des directions pour leur demander des informations afin de préparer leurs enfants. Parce que si le programme change au niveau de l'élémentaire, forcément au niveau du collège, au niveau du jusqu'à l'université, ça change. Okay. Du genre, mathématiques a changé au niveau de l'élémentaire. Dans quelques temps, il peut changer au niveau du collège, voire même au niveau du lycée. Donc, on ne pourra pas comprendre, étant parent d'élève, chercher ses œufs, sans autant poursuivre l'élève. Donc, je leur conseille de poursuivre bien l'élève. Ok. Donc, merci beaucoup, M. Ngom, donc, pour le temps que vous avez consacré aux élèves et aux parents. Donc, par rapport peut-être au numéro 8 de l'émission, vous allez axer, Inch'Allah, à votre intervention. Pourquoi? Par rapport à notre prochaine émission, Inch'Allah, Rabbi, sur le cycle primaire, nous allons axer sur la résolution de problèmes qui contient des erreurs. Ok. Résolution de problèmes qui contient des erreurs. Parce que c'est toujours, il faut préparer l'élève. En mathématiques, ce n'est pas mathématiques seulement. C'est mathématiques plus quoi? Plus le français. Okay. Donc, le français est la base de l'élève. En école primaire, en classe de CICP, on forge l'élève sur quoi? Sur la lecture. C1, C2, on forge l'élève sur la compréhension. CM1, CM2, là, il est apte à rencontrer tout, à lire une œuvre, à lire des romans, à présenter lui-même la situation géographique de son école. Donc là, on prépare l'élève. Mais si on le prépare, au niveau des erreurs. Pourquoi des erreurs? Pour être apte à le corriger. Parce que si on prépare l'élève, on lui donne des leçons, sans erreur, il ne pourra pas se corriger. Des fois, le professeur ou bien l'enseignant commet une erreur au tableau. Il le fait exprès. Mais derrière les élèves, des fois, on voit des élèves qui suivent le programme, qui suivent le tableau. Monsieur, ici, ça doit avoir S. Oui. C'est pas que l'enseignant a commis une erreur, c'est pour montrer aux élèves que nul n'est parfait chez soi. Même les élèves peuvent corriger l'enseignant. Mais l'enseignant ne doit pas commettre certaines erreurs au tableau. Mais c'est pour apprendre aux élèves que là, en classe, forcément, vous devez suivre le tableau. Vous devez regarder bien ce que nous écrivons. Si on vient dans ce domaine, prochain cours, en termes d'élémentaire, on met une résolution qui contient que des erreurs. Et on laisse comme ça. Inch'Allah. Et c'est à l'élève de venir corriger les erreurs dans sa copie et faire une bonne résolution. Ça est inscrit dans le programme. Donc, Inch'Allah, ce sera notre prochain cours avec nos candidats qui sont en classe préparatoire, en classe de CM1, en classe de CM2 du moins, pour préparer ce qu'on appelle l'entrée en sixième. Parce que nul ne peut entrer en sixième sans avoir fait un examen ici au Sénégal. C'est bien de sortir dans une école privée et d'aller dans un lycée, mais avec un moyenne, avec la moyenne du moins, avec une moyenne. Non, il faudra passer par l'examen. On voit, est-ce que l'élève est apte à faire ce qu'on appelle le certificat de fin d'études et l'entrée en sixième. Donc là, nous aurons l'occasion de le préparer dans ces temps pour qu'il puisse savoir que les classes ne sont pas fermées ici à RMB et Inch'Allah Rabbi, le programme continuera avec eux. Ok, merci M. Ngom, merci de votre temps consacré. Chers téléspectateurs et téléspectatrices de la RMB TV, merci de nous avoir suivis et un message aux parents d'élèves. On vous en prie, prenez l'habitude d'aller rencontrer l'élève et maîtresse de vos enfants. C'était votre émission Saine Éducation. Merci beaucoup.